capable sembler bloquer machine persécution politique en Jovenel Moïse enclenché contre compagnie sogenère à toute famille Voble. Je dis à la justice avec la police fermé local sogenère qui trouvait sur route aéroport, yo mettait dehors tout employé qui t'a travaillé dans entreprise publique et privée ça, même journée jeudi à tout la police descend, la caille plusieurs responsables sogenère. Donc Dimitri Vop de connaît qui déjà est obligé d'en camper loin à cause yo était derrière pour te fermer dans prison et patriarche en famille monsieur Jean-Marie Vop yo débarqué la caille li il a fouillé caille tout ancien président défunt président René Préval caille madame ni Elisabeth Desbrosse et Préval et caille Réginal Marc Jean Vop qui pas fait partie de groupe sogenère mais d'après l'autre information nous gagnons gagne l'autre bonne famille tout et yo inquiété qui pa gen rien pour directement à gestion compagnie que yo parti derrière yo y a laissé fouiller caillo même gen mandat pour ta arrêter yo et nous pas arrivé jeune avocat compagnie sogenère là mais nous parler avec avocat Réginal Vob maître Fanfan Guerilus qui dénonçait une persécution politique contre famille Vob blanc lui dit pouvoir exécutif l'en déclencher n'attendez maître Fanfan Guerilus qui te parler comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor fait partie des mêmes plans persécution politique et pouvoir ouais ça menant à mener depuis un certain temps contre le groupe sogenère là. La caille combien responsable dans sogenère et la police te descend. Alors forme de moi même personnellement moi pas avocat groupe sogenère. Moi c'est avocat original et Marc Jean Vob et lui-même il pas fait partie des sogenères, il fait que lui-même il a persécuté alors qu'il pas fait partie des groupes sogenère là mais nous capable de et en perspective et ça qu'a fait là c'est pouvoir exécutif là ouais ça me donne un cadre on campagne des persécutions politiques qui a mené depuis novembre contre groupe sogenère là il y a les cas Dimitri Vob, il y a les cas Jean-Marie Vob, il y a les cas Elisabeth et Desbrosse nous-mêmes nous réservons nous les droits en temps et lieu ouais ça pour nous faire telle action que des droits ouais contre l'État haïtien qui a persécuté et mon sogenère et qui parallèlement tout a persécuté client pas nous Marc et Réginal Vob qui pas gagné à ouais avec ce génère. Pas gagné arrestation qui fait. Et non, pas gagné arrestation qui fait. Mais nous connaissons qu'il y a des mandats et d'amener et qui émettent. J'ai posé scellé et sous bureau et ce génère là. Et donc, il y a une saisie immobilière qui est pratiquée et sous maison ce génère qui est sous l'aéroport. Ça passait jeudi. Hein? Oui, jeudi. Hein? Voilà, c'est maître Fanfan Guerilus qui c'est avocat Réginal Marc Jean Vob qui pas fait partie de compagnie sogenère et pourtant et la police à la justice débarqué la caïdi. Et maître Guerilus t'a répondre question Ketia Jean-Pierre Taylor on dossier n'a suivre de très près. Nous connaît dossier ça à revoir à blackout là d'ailleurs c'était slogan ça régime tête calé a été lancé contre trois compagnies privées qui te gain contrat avec l'État haïtien pour vendre énergie pour te distribuer à travers EDH nous connaît depuis on prend contrôle ce général là et bien contrairement à promesse et pouvoir te fait et nous connaît slogan Jovenel Moïse c'était lumière 24 dans 24 mois et bien c'est connaît la blackout 24 heures sur 24 gen des quartiers gen 6 semaines gen l'autre qui gen 4 semaines gen l'autre qui gen 2 semaines yo pa jam moins l'ombrai ça relé lumière plus blackout là a membré plus blackout là et a soulevé colère population c'est plus semblé et pouvoir tête caléa lui-même li a marché sous compagnie sogenère là ak fami vo blanc et pendant que la font série de promesses pile ak paquet de promesses et ça pour gain bateau cap sorti dans pays Turquie cap vienne bay lumière et gain l'argent prêté dans mes Taiwan yo pral installer de centrales dans commune Kafou bref en pile promesse mais jusqu'à présent c'est blackout et situation vienne compliquée avec ça cap passer dans EDH dans lui-même journée jodi a agence Simo était toujours occupé espace EDH non et côté déplotonné Jean que ministre travaux publics là t'est annoncé et aucun employé pas gain droit pour entrer dans local là et qui c'est membre syndicat et Festred et ou bien l'autre employé pas syndiqué yo obligé rester dehors plusieurs membres syndicat étaient dehors local EDH d'après ça on était constaté journée jeudi et faire qu'on a continué goumen jusqu'à ce que joigne satisfaction concernant revendication yo c'est pas quitter Michel présumé
installé comme directeur général compagnon qui déjà sous la grabade après ça dit reproché monsieur présumé passé dans administration publique là côté il était fait partie de l'équipe qui t'a privatisé une série de entreprises de l'état employé EDH déclaré yo pas bail le gain y a tonne une lot arrêté cap nommé une lot directeur dans tête EDH non mais l'entend des déclarations premier ministre joute te fait pendant visite li dans et dans local EDH dans même semaine ça. C'est pas sous bit ça gouvernement campé et de campé sous bit Kimbe Michel et présumé. N'attend des déclarations quelques employés EDH dans micro reporter nous Amos Breville. Puisque yo violé droit nous en tant que citoyen en tant que travailleur nous-mêmes nous pas en caserne nous sommes institution côté que énergie nous-mêmes n'avons allé en tant que technicien pour nous dire nous qui nous chita là. Non, c'est pas comme je me prenais. Nous-mêmes tout autant, policiers là et nous pas voter. Et tout autant, présumé là, nous pas travailler, nous pas travailler avec présumé parce que tout le monde connaît présumé qui s'alter un deux pays en déjà. Donc il dit nous battre bravo pour le rapport au PC. Oui, nous battre bravo pour le rapport au PC sorti pour ouvrir les DH. Et il y a là, et le rapport a sorti, qui réaction après le rapport? Un mode de mobilisation, parce que tout autant arrêté, on l'a arrêté par sorti, nous toujours été mobilisés, parce que tout autant présumé, c'est arrêté ça qui là nous-mêmes, nous toujours été en mode de protestation. Parce que le rapport après le président de la Bon, rapport à 4 jours et sensibiliser le président, parce que ce n'est pas seulement ouvrier EDH qui n'a problème là. C'est tout le pays, c'est toute population. Hein. Ça veut dire que c'est des qui viennent faire des propres graines pour l'aller. Et présumé par le Kennedy dans le pays. Et c'est ça qui a appliqué toute institution qui vient dans le pays. Voilà, c'est concernant ce qui a passé aux arrêts bord EDH. Mais écoutez, là, il y a des conséquences blackout là, dans l'hôpital, l'hôpital pays, l'hôpital général, qui affectait dans le fonctionnement, même genre plusieurs entreprises, tout partout dans le pays, et ou bien l'autre institution. Dans l'interview Libéré Radio Kiskeya jeudi, le président syndical hôpital général là, M. Lebien Joseph, expliquait difficulté, puis l'hôpital BIA gagne pour le capable fonctionner à cause blackout, non? Et il fait qu'on est les concerts et les pagains courants concernant l'hôpital là, ça la cause en pile service, tant que laboratoire et pharmacie pas capable de fonctionner. Et gagne tout service dialyse, dans pour ne pas oublier. D'après lui-même, chaque service, il y a une génératrice par eux, mais nous connaissons problème génératrice, elle n'est pas faite pour le travail tout le temps. Et puis génératrice ça, yo, et il n'y a pas de capacité pour yo, et alimenter et appareil médical yo, 24 heures sur 24. Et le bien Joseph déclaré courant qui n'a pas gagné, surtout les soirs, la cause, il y a tout le monde, bandit qui entre dans l'hôpital là, qui a vint voler dans l'hôpital là. Nous t'étendons ça déjà, protecteur citoyen te dénoncé ça, il a attaqué bien Mounio, vie Mounio, pendant que vous trouvez dans des institutions tant que l'hôpital.
N'attendez le président syndical l'hôpital général là, syndicaliste Le Bien Joseph qui te parle comme ça dans le micro, Laurie Lujeune. Actuellement là, ma parole, voilà où est le courant de ville là. Nous prenons hier depuis 4h de l'après-midi, nous faisons nuit là. Nous allons aller, matin, nous allons aller. Nous avons besoin de comment réactif. A dit matériel pour nous faire examen. Gardez par exemple dans le laboratoire à l'hôpital là. Pas besoin de combien de réactifs qui peut dire. Parce que ça n'a pas arrêté sans qu'il n'y ait pas dans le frigidaire. Là, nous vivons dans la pharmacie à tout. Longtemps, les par exemple, pas de courant de ville là, l'hôpital là, qu'on y a une génératrice qui a une grande capacité qui alimentait tout l'hôpital là. Pour qu'on y ait l'armée comme allié, l'hôpital général vient à fonctionner sur un espace réduit. À chaque petit espace, il y a un petit groupe génératrice parle. Côté ma parole, voilà, il y a une petite génératrice là qui alimente l'urgence, l'administration et puis salle d'opération, c'est-à-dire bloc opération. Quelle capacité? Il y a alimenté radiologie. Mais appareil qui a fonctionné en dedans des services à un bol, radiologie et puis salle d'opération. Trois appareils, ça c'est 220. Et bien qu'on a 10 génératrices à une capacité de 60 kW. Pas besoin de tout. Non, misère. L'arrivée dans la maternité, il y a 10 génératrices qui alimentent trois côtés. A dit dans tout gros bâtiment ça dans maternité a l'alimenter trois côtés néonato et puis salle d'opération maternité avec salle de travail après ça tout bâtiment chaque soir chaque matin vini ou pas besoin de syndicat comme si son tribunal lié chaque matin pour y venir côté président syndicat parler des désordres qui passaient dans la soirée dans l'hôpital en dedans l'hôpital là qui genre de désordre par exemple docteur a perdu laptop yo téléphone yo. Parce que les gens dans un blackout, pas besoin de ou même qui ont chambre qui est là, là ou dans un blackout, pas besoin de. Ça veut dire dans la nuit, on part dans l'hôpital là qui était dans le noir net. C'est tout l'hôpital là, tout le générateur ça y est là, il n'y a pas qu'à alimenter l'hôpital général. Et tu sais, mon génératrice qui est l'hôpital militaire, qui a plus que un chantier à gagner environ de 1 an depuis il campé, génératrice a gagné plus que 4 à 5 ans depuis le campé là, l'application du soleil. Le public ou privé dans le département nord-est a dénoncé le ministère de l'Éducation nationale qui continue pas à prendre en considération les revendications et questions de subvention, le gouvernement te promet l'école privée yo, pour faire face à COVID-19 là. Et il n'a pas mis sous budget un série d'enseignants qui ont l'aide nomination dans main. Et 7500 goudes comme salaire de base et pour chaque enseignant. En gros, dans conférence pour la presse, il était bail ailleurs, enseignants menacé bloqué ouverture d'école là dans le département qui fixé pour date 10 d'août qui a venu là. Si toutefois, revendication, pas de réponse dans le même ministère. C'est Jean-Wiskis pour plus de détails. Enseignant l'école publique et privée dans le département nord-ouest, principalement dans la ville Port-de-Paix, levé voix pour dénoncer l'autorité dans le ministère de l'Éducation nationale. Il dit pas jamais répondre à la revendication. Pour ça, ça ne va pas mettre l'eau dans le bouche pour critiquer le ministre José Agenor Kader. Il dit qu'il ne va pas suspendre ou l'eau dans la farine. Enseignant ça promet pour boycotter la reprise activité scolaire dans la date 10 août 4 venu. Nous ne pas prémenti encore. Nous bouquons avec gens de traitement misérables. Nous même enseignants privés et publics, nous réunis pour demander l'État pour répondre sans perdre du temps à la revendication. Nommer tout enseignant qui qualifié qui dans la salle de classe. Idiotiser tout enseignant qui est l'aide dans les yeux depuis plusieurs années. Nous demander un salaire de base de 75 000 gouttes sans perdre du temps. Nous demander un tract de vie de 30 000 gouttes pour payer toute l'école privée de promettre une subvention dans le moment COVID-19 là. Nous demandons pour accompagner tous les parents, élèves, l'école et les étudiants pour payer tout ailleurs salaire yo de nous de. Si l'administration Moïse Out là, pas répondre sans perdre du temps à la revendication salaire, pas qui l'école, ancien l'école publique et privée dans le département nord-ouest qui continue à réclamer l'agent subvention d'État haïtien te promettre pendant la période de confinement, dit à prêter mobilisé jusqu'à ce que l'autorité dans le pays réponde à la revendication. C'est Jean Wiskis pour le père, Radio Guiskéa. Merci toujours en province, Tigouave, réseau national enseignant d'Haïti avec association directeur de l'école privée dans Tigouave.
organisé un match, c'était hier, pour critiquer et puis dénoncer le ministère de l'Éducation nationale qui décidait d'ouvrir l'école là quand même. Et malgré, il n'y a pas pourtant quelle réponse concernant les revendications. Enseignants qui exigeaient faut que l'État baille aux subventions, il était prometteur dans la période et COVID là, quand il était obligé de rester la caillou. Il était campé devant le bureau district scolaire Tigouavlan pour faire un dévoi. On est innocent de grange pour plus de détails. Réseau national enseignant d'Haïti dans tête collée avec association directeur l'école privée dans la région Guavienne organisé un match pacifique jeudi mercredi 29 juillet 2020. Objectif match ça d'après eux c'était pour exprimer mécontentement sous décision autorité ou dans l'état prend pour réouvrir activité l'école yo sans revendication ou pas satisfait n'a cité augmentation salaire nomination ak subvention l'argent gouvernement te promet yo pour te faire face à pandémie coronavirus là divers là dans yo a expliqué. La police barre nous, nous pas capable encore, nous besoin quoi subvention, nous besoin en vrai, à bâche non, à bâche et nous vivons au moment, tout le temps, nous pas jouer le jeu, nous pas perdre du bataille, faut jouer le jeu. Budgétisation, nomination, subvention, fin de base 15 000 gouttes. 4 débit, 30 000 gouttes, c'est un ensemble de relégations à nous guérir. Faut que nous disions, il y a plusieurs dizaines qui tapent courir dans diverses rues dans la ville. On veut t'en planter piquette devant le bureau district scolaire Tigouavlan. Il y a un match qui a commencé à 10h du matin, t'es fini à 1h de l'après-midi sans incident. Où on est innocent de grand Tigouav, Radio Kiskeya. Oui, concernant revendication, affaire, ouverture de l'école, là, faut que nous disions. Et Mathéo, d'après ça, coordonnateur réseau national enseignant d'Haïti, Henri-Claude Lecomte, fait qu'on est en téléphone, et dans l'occasion mouvement, protestation, et organisation d'un tapfait sous affaire ouverture l'école là, la police a arrêté un membre organisation enseignant ça, qui est Ronel Dalisma, et professeur dans l'école dans la ville Inch. Il dénonçait arrestation et exigeait yo la gueule immédiatement ces réseaux nationaux enseignants d'Haïti. Et puis, en province, après été justement dans Inch, depuis environ une semaine, population dans la ville Inch n'a pas gagné un goût de l'eau pour fonctionner à cause de quelqu'un qui a manifesté dans la zone Laïaï et qui a écrasé tuyau alimentation qui vient dans la ville là pour forcer l'autorité à passer même dans plusieurs routes qui pas bon dans Laïaï là et puis à et sans santé ensemble avec un problème blackout et ces revendications et ville Inchnan qui était déjà plongé dans blackout depuis plusieurs jours jeudi a fait face à un phénomène insécurité sans pareil d'après sa correspondante Ronel Odat Fenkone. Sans de l'eau potable ni électricité, ville Inch trouvait la situation extrêmement difficile depuis environ une semaine. Plus passé 20 000 foyers pas gain accès à de l'eau potable au Bénin ou pas coulé à cause d'une partie de la population, là, il y a une localité en dedans, première section Wanakia, commune Inch, crasé tuyau qui alimente ville là. Yo fait ça dans l'idée pour forcer autorité yo réhabiliter plusieurs tronçons route dans la yaye, mettre santé, mettre électricité et puis bay paysan yo encadrement pour capable fonctionner. À plusieurs reprises, direction départementale travaux publics, TPTC, DINEPA, EDH, la mairie, délégation centre avec la police, toujours fait chita parler pour jouer une solution à problème non. Cependant, habitants dans la yaye estimé autorité ou pas jamais fait rien. Et dans ce sens, il a crasé Tioa pour une sixième fois et il a plus passé 50 000 habitants dans le marché chercher de l'eau tout partout. Côté électricité, la ville a plongé dans le blackout depuis plusieurs jours, ce qui a augmenté le phénomène d'insécurité, volé la guerre, motocyclette, radio, télévision, ordinateur, téléphone avec Delco, en imparité. Au plateau central, Ronel Odat, Radio Télékiskeya. Merci Ronel, faut que nous disons là yo profiter de blackout là tout dans zone métropolitaine. Nous connaissons des monde qui victimes côté entrée, yo voler et justement appareil ça yo la caillou, tant coup téléphone, tant coup ordinateur. N'a vini quoi elle là qu'état d'urgence là, gouvernement levé concernant COVID-19 là, docteur Juno Félix, nous connaissons qui était jouer un gros rôle dans sensibiliser population spécialiste en santé publique là sous maladie COVID-19 là, qualifier décision gouvernement haïtien prend pour et pas renouveler état d'urgence sanitaire, donc décision politique. Et selon docteur Félix,
et autorité yo prend décision ça une façon pour yo capable relouvrir pays ya, pour activité économique à divers autres secteurs recommencer fonctionner. Li quoi c'est normal puisque pays a pas ta carité fermé éternellement. Mais dans interview Libéré Radio Kiskeya journée jeudi à docteur Félix estimé décision ça c'est un signal gouvernement voyé by population tout pour dire le coronavirus nan li baissé dans pays ya. D'après spécialiste dans santé publique là autorité dans domaine nan santé yo pas gen aucun moyen cependant pour prouver ça yo dit que maladie a en baisse parce que yo pas jamais fait test pour en pile monde dans pays ya. N'a attendé docteur Gino Félix qui de parler comme ça dans micro Viner Joseph. Chaque fois renouvelé bagage ça mais pas en définir clairement qui ça est tout ça en réalité qui ça yé qui ça l'état fait là quand si tu gagne état de gens sanitaire que le Félix c'est que effectivement yo même c'est une décision que au point que corona pas là encore ou bien corona baissé etc. C'est ça c'est signal ça que vous voyez par population mais maintenant moi même pas connaître ce qui passe. Il a décidé ça, étant donné qu'il n'y a pas fait un pile test dans le pays. Hein. À peine si on a testé 13 000 personnes à peu près, la majorité de nous testé dans la région métropolitaine. Hein. Donc, on ne pas ouais, sous qui base. Okay? Moi-même, on a parlé de médecine, on a parlé de santé publique. J'en ai dit là dans le clair, evidence-based medicine. Ça veut dire que c'est une médecine qui chita, qui base sur l'évidence, sur les évidences. Et évidence, c'est tourner sur l'épidémie. Hein. Donner sur l'épidémie, c'est quantité de cas qui confirmé. Positif, ok. Oh, sous pas testé en plein monde, donc qui j'ai fait connaître que la maladie en baissé. Est-ce que c'est un éclat de la population, mon petit ou bien, c'est sous qui parle. Même test ministère santé publique qu'on fait, ces derniers temps, ouais, quand c'était mon dit, qui testait positif, yo, très réduit. Oui, mais mon frère, sous pas testé, mon qui j'ai fait connaître réduit. Si j'ai 10 mon testé, mais c'est normal que après moi ce monde qui positif ça m'a parlé c'est la science oui mais pour même ça. Parce que contrairement avec autorité au corona t'a bel et bien présent dans pays a et gain plus monde qui t'a infecté et puis monsieur pas qu'on est rentré dans pays et puis disparaît là pour un bon temps avant d'y aller comme vous pensez que le sang a fait en 2 ans, 3 ans dans pays a, et c'est nous pour habituer à vivre avec puis monsieur va valider le disparaître comme ça continue à transmettre la continuer à transmettre, la monde, etc. Jusqu'à ce que la population, qui est à peu près 70% de la population, qui est immunisée, c'est ça que l'immunité collective. C'est comme ça, en général, le virus fonctionne dans le monde entier. Donc, ça veut dire, samedi, en tout, c'est qu'on a le droit lié dans notre pays. Donc, moi, même pas attendre que le virus ait le droit de disparaître là. Donc, pas qu'aucun monde qui a été aussi là, pas un COVID-19 encore, pas un virus, etc. Moi, pas de information ça. Donc, même si je dis que je n'ai pas de loi dit que je pas là, moi, même pas de que je n'ai pas de loi, je pense que le président toujours en est. J'en dis à ça que, à partir de décision, ça, malgré le pas de définir, selon vous-même, c'est un signal envoyé par la population pour dire que le coronavirus n'a pas représenté, ça le représenté dans le pays, dans la période des mois mai, juin. Oui, donc, moi-même, je n'ai pas gagné un chiffre. Qui peut courir ça aussi. Mais moi, pense, si je veux dire franchement, c'est une décision politique liée. Ils font une décision politique pour l'ouvrir l'économie pays. Ils ont un droit ça. Ces dirigeants, ils ont un droit justifier ça aussi. Et puis, ouvrir. Mais pas dire même c'est parce que Corona a baissé. Ils ont un droit pour une décision ouverte à l'aéroport. Ils ont voulu ouvrir l'économie pays. Quand ils ont un pays qui tente de faire ça. Ok? Moi, je comprends que si vous décidez pour ne pas faire mes pays net à jamais, ou qu'il a décidé que, mais son décision politique, c'est pas une décision parce que, pour le fait, docteur a pas menti, pour dire que maladie, il est en pic, il est en santé sans date, qu'on a que pas aucune évidence. Voilà, docteur Gino Félix, spécialiste dans santé publique, dans le micro Vilner Joseph, sous décision pour lever état d'urgence. Bon, côté parle ancien président Sénat, docteur Kelly Sébastien, estimé pouvoir en place, non, pas besoin de parler de lever état d'urgence sanitaire COVID-19, parce que équipe en place, non, pas jamais fait une gestion réelle de crise sanitaire. D'après ça, il a déclaré dans l'interview Libye Radio Kiskeya. Docteur Bastien, et fait connaître l'important même si autorité haute voulait lever état d'urgence, non, pour y te contrôler quelques paramètres et puis demander population continuer à être vigilant pour éviter pays à pas frapper une autre fois encore en bas pandémie hein. Même et gens et ça fait déjà y a observé plusieurs côtés qui a fait face à une deuxième vague COVID-19 là. N'attendez docteur Kelly Sébastien ancien président Sénat qui t'est parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoux.
pas de situation d'urgence réelle. Oui, c'est qu'à une situation d'urgence dans le pays hier, côté que moun connaît une maladie qui l'a et que faut prendre précaution, mais par rapport à gestion crise, ou pas que moun t'a géré urgence. D'ailleurs, quand pile moment en dans crise, c'est l'autre bagage qui a géré qui pas gain rapport avec Covid-19. Et si on t'a géré urgence, toute institution de santé ou les chaînes soins de santé qu'on gagne dans le pays, ou t'a senti que mobilisé. Si on t'a géré urgence, ou pas t'a fait un mois que matériel rentré sur l'autre bord qui n'ont dépôt, c'est après un mois presque qu'on va livrer au bail direction départementale. Si on t'a géré urgence, médecin infirmier, qui ont été pouvoir $1,500 américains, après ça me connaît, après ça me donne un budget pour eux, protéger le moment ça. On t'a mis non seulement en état, et bah au moyen ça, mais mettre en état tout, donc bah au matériel et équipement permet de faire face à l'épidémie. Maintenant, où venez dans une phase qu'on est, nous dit que bagarre la baissé, il vient dans une phase sensible. L'IBC, c'est sous base d'un rapport que nous avons fait, c'est vrai que Gombane statistique qui montre que Gombane 4 que nous pas arrivé joindre, mais ça crive tout, c'est que dans le moment ça, faut que le comité scientifique là, il y a un rapport, et qui fait que même j'ai la deuxième vague dans notre pays, qui ça n'a fait qu'on est, pour que nous prévenions une deuxième vague, ça veut dire si nous venons dans notre pays, il arrive la caille nous tout. Et avec frontière dans l'ouvrir là, Floride qui gagne pile cas, et en pile dans le monde ça, on rentre à Haïti, ça qui est bloqué, et ça qui perd Floride tout qui vient, est-ce que qu'on y a une disposition qui prend, qui va permettre que si nous allons consacrer plus devant, n'a mieux préparé, n'a plus à l'aise en tenant compte des leçons que nous apprenons. Pour moi, pas de gestion réelle de crise, tendre les crises à un bail, qui va permettre que vous sentiez le ministère de la Santé publique, que vous leadership, il te prend devant, ou toi à côté de la peine, et pour te voir que vous mobilisation du système soins santé dans le pays d'Haïti, je parle de personnel, je parle d'institution, qui te permettent que vous préparez pour un bagage comme ça. Selon vous-même, qui ça qui explique décision autorité annoncée lever l'état d'urgence sanitaire? Pour vous, je pense que statistiquement, il y a des quantités de carottes qu'on recevra, il vient baisser, quantité de monde qui mourit, baisser. Pas oublier que vous problème qui pose dans le système là, et particulièrement dans mon département là, le monde fait test, monde peut pas jouer avant les résultats. Et quand il y a monde dit qu'on fait prélèvement au cas, puis vous voyez le protocole, prend temps pour venir, là prend 10 jours, là prend 15 jours. Ça veut dire si vous n'êtes suspect que vous êtes positif, il est qu'à développer maladie dans l'intervalle là, avant même que le résultat vienne. Au cas, il y a des monde qui prépare et qui a une capacité pour te faire test. Donc, quand il y a une phase ça pour moi, le fait que vous avez KBC pendant une période de temps, vous avez qu'il pas augmenté, ça dit que tendance, son tendance qui est à la baisse. Maintenant, l'on regarde le contexte international là, pendant la période qu'on ouvre les frontières là, tout, dans le pays, où l'on ouvre les gens qui sont domaine, nous calmer Miami, côté que vous plus qu'à, qu'on y a, que États-Unis a pas enregistré, mais qu'on y a, faut bon prudence, parce que dans 15-22 jours après qu'on ouvre les frontières ça, on voit que c'est la baille. C'est normal qu'on y a. Si on ouvre l'école, l'église l'ouvre, etc. Donc, on pas qu'à parler des situations d'urgence. Maintenant, faut qu'on appelle qu'on y a à la vigilance. Pour que moun n'y a pas fait négligence, sous comportement, t'as supposé gagner, pour comprendre que le fait que l'état d'urgence levé, et puis, on la gué, qu'on dans la rue, et puis, qui est capable de une ressurgence de caillou. Pour moi, ils ont levé l'état d'urgence, c'est de accompagner nos analyses des situations, donc évaluation de la situation, avec chiffres à l'appui statistiquement, pour qui ça nous dit, mais c'est qu'on y a, après tableau, mais ça tableau à ben non, nous revenons dans le pic là, après 3-4 semaines d'affilée, mais ça nous gagne, et bien nous voici baisser la baisser, et bien ça montre qu'on y a, nous passer période qui était plus difficile là, et sous base à qu'on y a là, qui ça va annoncer comme disposition au niveau institution de santé, comment on va annoncer disposition au niveau frontière pays, porte d'entrée, port, aéroport, etc., et puis qui pour permettre que qu'on y a, moun gagne plus vigilant. Voilà, c'est ancien président Sénat, Dr. Kelly Sébastien, sous mesure d'urgence, état d'urgence gouvernement, le VA, concernant le coronavirus, non? Et qui a parlé comme ça dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré. Justement, nous avons toujours dit ça ici, il faut que tu cherches à connaître qui Jean-Pep Haïtien te fait pour te colter à COVID-19. Là. Sans que le ministère de la Santé publique pas jamais penché sous lui, mais le rectorat Université d'État d'Haïti présenté résultats préliminaires, les premiers résultats ou études et rectorat à faire et sous remède traditionnel yo, face à la pandémie coronavirus COVID-19. Là. Et tu as un jury qui a donné 5 professeurs dans l'Université d'État, tant que professeur Odalbert Bien-Aimé, Justin Casimir, Marc Félix Civil, Ernst Noël, ak Marie-Lise Bouzier, yo estimé et remède naturel et haïtien yo et utilisé capable faire plus bien passer mal et par rapport à maladie coronavirus. Donc on connecte toujours là. Et cependant, dans conférence pour la presse ba jeudi, professeur dans faculté de médecine et pharmacie et Marie-Lise Bouzier, spécialiste et botaniste qui t'a présenté étude ça qui fait sous remède traditionnel face à COVID-19 là, mandé population éviter des plantes qui capable représenter de poison de toxique et puis réduire quantité produit après tout. Il y a comme exemple professeur Rousier
et professeur Neptune Rouzier, il parlait de plante ça était pas l'empile de lui à Moisan, il dit gagner danger à elle et il est capable toxique, il dit qu'empoisonné. Et madame Rouzier et souligner étude ça et prend en considération divers aspects scientifiques. N'attendez et professeur Marie-Lise Neptune Rouzier dans conférence pour la presse côté Joubert Joseph était présent pour Radio Kiskeya. Il y a pile vitamine qui est important pour renforcer le système immunitaire nous. Donc par exemple, nous montrer que l'on bon taux sanguin en vitamine D et bien Covid n'a pas rentré sous avec autant de force. Ça c'est vraiment important. Nous avons le rôle vitamine C à tout qui est important. Donc et puis il y a cacao là-dedans, les cacao qui sont les aliments à la fois riches en fer, donc qui bon pour oxygénation sang et puis il y a d'autres minéraux comme zinc qui est très important pour le système immunitaire là qui vous trouvez dans ça. Donc vous surtout pour faire remarquer qu'il y a une prévention qui a fait non seulement avec vitamine sous forme de médicaments, mais vitamine tout dans à manger que nous avons mangé. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? C'est que plusieurs recettes que la population utilise, nous sommes potentiellement capables, je dis potentiellement, puisque nous n'avons pas fait expérimentation réelle sur eux, mais de part ça, nous gagne là-dedans, nous sommes potentiellement capables de répondre à la fois à symptômes comme nous, et à nous bloquer tout en pile complication maladie. Ça indique que la population a une bonne connaissance de plantes, vraiment, et elle connaît comment pour le manger. Et nous dit que le fait que son population qui ne va jamais abandonner les plantes, au contraire, elle est toujours et son population qui utilise les plantes en pile pour toute maladie, et bien ça permet justement de faire et face carré avec Covid là, avec toute connaissance de gain pour aider dans sa vie là. Alors ça nous a dit que contribuer à éviter un pile moun mouri dans la population, c'est ça nous constatons tout que malgré un effet positif, il faut nous faire quelques remarques pour nous mettre et quelques balises tout dans ça qu'a fait là. Donc, nous dit, dans l'ensemble, plantes sont pas tellement connues pour leur toxicité. Ce qui est rassurant, c'est vrai, ça rassure. Mais il y a certaines là-dedans qui partent tout à fait sans danger, qui passent sans danger, et nous voyons où est lesquelles. Nous dit tout que le fait d'associer trois plantes à la fois, les carbones, mais les gains parfois inconvénients. Et nous déjà soulevé le premier inconvénient qui est majeur là d'après nous, c'est l'action anticoagulante plantes qui parfois exagère. Nous disons que certaines recettes qui ont trois plantes là-dedans qui sont capables de présenter un danger. Nous disons que même lorsque les plantes ne sont pas présentées danger, ils ont pêché par le yoga trois ingrédients là-dedans qui sont capables d'une compliquée situation. Nous connaissons tout et certains ont signalé que ça ne veut pas utiliser plantes pour femmes enceintes, femmes qui a parité ou bien si vous en bas âge. Il était attendu avec moi qui suis tension avec diabète, est très précautionneux. Parce que il y a un pile plante là-dedans qui est capable d'agir sur eux. Il faut éviter tout justement des mélanges complexes de plantes. Ce n'est pas nécessaire parce que nous sommes vulnérables à. Avec tout ça, nous voyons que faut nous gagner une réglementation qui est faite sous plantes en général. Alors là, puisque nous avons parlé de Covid là, pour Covid là d'abord peut-être, si nous gagnons, mais tout faut que nous gagnions des réglementations qui sont faites sous plantes. Et réglementation ça y est, pour aucun décolle de vraiment de normes internationales. Mais tout, il faut conserver l'originalité pratique et puis il faut garantir le droit de propriété monde qui bat le statut. Voilà, c'est professeur Marie-Lise Neptune Rouzier, spécialiste en question plante, qui publie un livre sur ça, qui a travaillé tout dans le rectorat université sous recherche. Concernant la question plateau, par exemple, l'autre comme ça, et l'université n'a pas tellement fait bruit avec ça tout. Et sous Bopal, recteur université a qui fait créer lui, professeur Fritz Deshommes, montré volonté recteur à la dirigée à gagner pour poursuivre l'étude ça. Et nous croyons que c'est une très bonne démarche. Pendant le préciser, il compte passer dans l'autre étape de cours, faire études chimiques et puis et faire tout et de tests cliniques. Et concernant le remède traditionnel, le médecine traditionnelle, la face à la maladie coronavirus. Étude ça permet, nous connaissons, remède qui existait, à qui gens pour utiliser, selon docteur Ernst Noël, qui a fait plusieurs interventions et pendant une période et qui était très difficile dans le COVID-19 long, et qui tout travaille dans le domaine ça, dans le ministère de la Santé publique. Il dit qu'il y a une autre étape qui franchit. Une autre étape pour qu'on ait efficacité médicament
population te prend remède à plante médecine traditionnelle yo et sans que yo pas produit ça les effets secondaires parce que on doit prendre un remède ou médicament pour telle maladie puis le ba ou l'autre problème. N'attendé recteur UH non professeur Fritz Deshommes avec docteur Ernst Noël qui te fait en pile intervention tout pendant période difficile là dans conférence pour la presse côté Joubert Joseph te présent pour être Kiskeya. Alors, comme expert dit, il faudra que nous t'a identifié 3 ou 4 plantes pour un mélange, pour une recette, que nous faisons sur yo, en plus de études bibliographiques qui fait là, que nous faisons sur des études chimiques, ensuite des études cliniques, et les ça nous t'a arrivé à des résultats, nous t'a dit, qui, scientifiquement, etc., avec dosage, etc. Donc, effectivement, nous très intéressés continuer à travailler ça, non seulement sous COVID là, mais sous tout l'autre aspect côté que médecine traditionnelle là capable d'aider. Et c'est pour ça dans l'introduction, hein, nous te faisons appel à l'État, à société civile là, à secteur privé là, pour porter coller avec sous question ça. Au niveau, par exemple, de ministère santé publique, au niveau de l'État, ministère santé publique, enfin, nous faisons appel à ministère. Et d'ailleurs, nous croyons un document que nous d'après nous compte que jury a pas seulement gagné des recommandations à la population, jury a gagné des recommandations, par exemple, au ministère de la santé publique, au ministère de l'environnement, au ministère de l'agriculture. Donc, tout côté dans l'État qui a aidé, renforcé, n'a dit, connaissance médecine traditionnelle et action médecine traditionnelle là, nous fait appel à eux. Li permet nous connaître qui ça qui existait, comment ils utilisaient, qui est fait yo, et que par la suite, nous gagnons droit faire des choix qui pour permettre nous réellement traiter. Et puis en plus, bon l'autre partie, les wa fait loi rentrer dans les cliniques faut qu'à déterminer tout quantité produit qu'on va parce que les wa bail un produit quelconque pour jouer nous effet, il y a une certaine dose pour bail et une dose tout sous dépasser pour n'y a capable poser problème. Ce qui fait que nous allons rentrer dans notre deuxième phase côté que nous allons étudier plante même. Qui principe actif qu'elle gagne, qui effet qu'elle gagne et comment nous capable doser de manière pour nous arriver efficace sans que nous pas à produire des effets secondaires. Ça veut dire que ça son première étape nous capable dit c'est déchiffrer et au compte pour terre et puis au travail ou retirer ou débroussailler complètement ou ouais qui ça gagne la donne et puis après qu'on va faire des choix à quoi bon va l'avancer. Je dis à la fin si nous prenons chaque élément qui utilisé séparément yo chaque agit en façon contre COVID-19. Mais je dis à nous pas qu'à dire mais qu'on formule ça sont pas qu'on formule gagnant pelier si me prend 1 2 3 ça on mettez ensemble et me combiner il y a permettre moi pratiquement 20 virus là. Voilà, il y a une conférence de presse extrêmement intéressante. De pour qu'à dire si c'est gingembre, si c'est safran, et si c'est amoisde, et si c'est la loi, mais nous connaissons au miel, nous connaissons toute valeur très nombreuse pendant le temps que ça se passe là. Et conférence pour la presse, mais rectorat, recteur a promettre nous, il a continué à rechercher. Et ce qui c'est une lacune, si on veut faire ça, il y a comblé, extrêmement important, concernant médecine traditionnelle noire, nous pas doué laguer, pendant que nous avons bénéficié tout de connaissances docteur nous, dans médecine et conventionnelle là. Et même si OMS pas accepté ouvertement, mais de plus en plus OMS ouvre à l'idée pratique médecine traditionnelle. D'ailleurs, la Chine, c'est un gros morceau lié dans la question médecine et traditionnelle. Et nous connaissons tout le président Madagascar là, il était fait là pendant la période COVID là, bien que la question COVID l'a frappé Madagascar sérieusement, mais Adjoel a fait une percée mondiale avec la médecine traditionnelle la CAIPAL, il y a un centre de recherche, là, il a fait connaître les jeunes et remettre dans la CAIPAL. Et il a voyé même remettre ça dans un pile pays en Afrique, bien que OMS toujours, jusqu'à présent, garde un silence par rapport à des machins, mais ça te vient renforcer conviction peuple haïtien hein, sous question et médecine traditionnelle là que nous c'est un pays qui bien campé la donne. L'autre point d'actualité est sous situation politique là AKO fixé position non note pour la presse jeudi a parti AKO a voyé un gros coup de chapeau pour peuple haïtien qui a fait revendication qui kembe flambeau mobilisation même leur pouvoir autocratique Jovenel Moïse PHTK
et déployer tout une machine répression pour faire la pérèse rentrer dans l'esprit nous, rentrer dans corps nous, nous pas prendre en caponaille d'après ça à Kaodi, nous dit faut que Jovenel Moïse PHTK quitte pouvoir sans perdre du temps. Moment n'a vivre jodi a grave et li représente un danger en pile mais li chargé ak mais en même temps tout chargé ak lumière délivrance non pi près que li pi loin bête et a bête là à terre c'est batte la batte d'après ça Akaodi mais c'est là ça tout pour nous tout nous très vigilants et pour non pio et pour tout ça qui semblait rassembler pour nous tablir une force pour autres pas mener ban nous en quelle solution fomamite qui pral permettre couleuvre et réparer avec une autre tête pour yo ka continuer peser et peuple haïtien nan pas bal en quelle service tankou l'éducation la santé et pour yo ka continuer piller l'état pour yo ka continuer racher couper toute ressource pays nous gagner tankou terre nous yo tankou mine nous yo parti a kao a fait changer pays d'Haïti pays pa nous nanchon parler déjà li dit ki ça li pa vle li dit et redit ki ça le vle peuple haïtien et dit c'est assez ak système kap générer la misère ça pour majorité population pendant un petit point moun gen toute richesse pays nan men peuple haïtien dit li vle un pays côté masyo gen droit pour rêver côté l'espoir boujonnen côté tout moun ka vive tant kou moun nan la dignité c'est seul peuple haïtien ki ka joine solution kap mette pays d'Haïti sou route li di li vle pran.